Les maîtres du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La vie de château, un film radiophonique de Jacques Fayet, avec par ordre d'entrée en onde Maurice Chevitte, Michel Bouquet dans le rôle du commissaire, Jean Toulouse, Laurence Weber, Philippe Mareuil, Jacqueline Rivière, Montcorbier, Geneviève Morel et Clément Béram. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Francis Granal et Arlette Lehambre. Bruitage Jean Berriac. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Cette fois-ci, patron, ça y est, hein? C'est la vie de château. Oh, le parc, la pièce d'eau, l'année de peupliers, le jardin à la française. Puis, bonne table et bon whisky. Et un cadavre. Et... Ah oui. Ça, patron, c'est ce qu'il y a de moins bien. De moins bien, mais de plus important. C'est à cause de lui que nous sommes là. C'est vrai. Tu t'en bourgeoises, Maxime. Ce petit week-end à la campagne ne te vaut rien. Que voulez-vous, patron? Dans notre métier, on n'a pas toujours l'occasion de toucher la livre du bout du doigt. Alors, pour une fois, j'apprécie. Mais je pense tout de même au boulot. Tu as trouvé quelque chose? Oh, presque rien, patron. Dans la chambre de la victime, il y a de la porcelaine cassée. Alors j'ai ramassé ce petit bout-là, taché de sang. Peut-être du sang de la victime, mais il en était bien loin. Sait-on jamais. J'ai aussi convoqué les gens. Beaucoup de monde. 6 personnes. La femme de la victime, son fils Michel, sa secrétaire, le valet de chambre et la cuisinière. Ils sont mari et femme. Enfin, je veux dire, le valet de chambre et la cuisinière. Mais ça fait 5. Ah oui, ben, le docteur est là aussi. Ah, c'est quelquefois utile. Souvent. Quand on n'est pas malade. Dis-lui de venir. Peut-être doit-il visiter les clients, il est utile de le faire à temps. Bien, patron. La clé, s'il vous plaît. Après, je vous prie. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le commissaire. Mais asseyez-vous, docteur. Je vous en prie. Merci. Monsieur le commissaire, vous voyez devant vous un homme étonné. Hein? Que voulez-vous dire, docteur? Comme tout le monde, je lis les journaux et j'ai vu beaucoup de récits de crimes. À travers la presse, j'ai suivi jour après jour de multiples enquêtes et le visage des victimes et aussi de certains assassins, à force d'être exposé à ma vue en noir et blanc et en plusieurs exemplaires, finissait par m'être familier. Cependant, monsieur le commissaire, je ne les connaissais pas. Et je suivais leurs aventures comme un spectateur. Il n'y avait entre eux et moi aucune intimité. Je pensais, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que ces choses arrivaient dans un certain monde, un certain milieu. Mais que jamais elles ne me concerneraient. Et tout d'un coup, monsieur le commissaire, me voici mêlé à un crime odieux et atroce. Aussi, je vous dis, vous avez devant vous un homme étonné. Et navré, naturellement. Naturellement. Je voudrais savoir qui vous a averti de la mort de monsieur Taillet. C'est Marie, par téléphone. Vers quelle heure? Vers 22h30 à peu près.
J'avais dîné tard et terminé à peine. Elle me dit que son maître avait eu un accident et elle me priait de venir. Naturellement, j'ai couru. Elle m'accueillit, ainsi que Madame Tellier, désespérée comme bien vous le pensez. Monsieur Tellier était mort. Mais. Où était-il ? Eh bien, dans sa chambre du premier étage. Il était étendu à terre, un trou dans la poitrine. Sans aucun doute possible, la mort a été instantanée. Je n'étais plus d'aucune utilité. Oui. Avez-vous pensé au suicide ? Oui. Et il semblait qu'ainsi je me ralliais à l'opinion générale. Oui. C'est seulement en me retirant que j'ai compris que le suicide n'était pas la vraie solution. Mais comment cela ? Eh bien, M. Tellier, je vous l'ai déjà dit, était étendu à terre. Dans la main droite, il tenait un revolver, celui dont la balle l'avait tué à bout portant. Eh bien, cela, c'était impossible. Mais pourquoi ? Mais M. Tellier avait une paralysie de la main droite. Il lui était impossible de tenir quoi que ce soit, encore moins d'appuyer sur quelque chose comme sur une gâchette. S'il s'était suicidé, il aurait pu le revolver de la main gauche. Et c'est en constatant cela que j'ai demandé qu'on appelât la police. Vous en savez maintenant autant que moi. Je souhaiterais même, commissaire, que vous en sachiez davantage. À la pensée qu'il y a dans cette maison un assassin, que peut-être en arrivant je lui serrais la main, mon sang se glace. Et qui avez-vous rencontré en arrivant ? Germain, et j'ai bavardé 2 minutes avec la secrétaire, mademoiselle Paul. Elle était avec Michel. Ainsi, vous concevez que Germain ou la secrétaire de M. Tellier, voire même son fils, seraient susceptibles l'un ou l'autre d'être l'assassin. Et je dis cela, commissaire. Vous ne l'avez pas dit clairement, non, docteur, mais en réalité, cela revient au même. Voyez comme il est quelquefois difficile de ne pas dire ce que l'on pense. Chaque phrase, chaque parole dans une enquête sont sujettes à l'interprétation. Alors, permettez-moi de vous dire, commissaire, que vous interprétez mal. Est-ce tout ? Puis-je disposer ? Mes malades m'attendent. Alors, je vous en prie, docteur, hâtez-vous. S'ils allaient partir sans vous... Oh. Je plaisante, docteur. Le moment n'est guère choisi, je le sais. Le lieu, pas davantage. Quant à ma plaisanterie, elle n'est pas de meilleur goût. Mais que voulez-vous ? L'habitude que l'on a de certaines situations les rend moins importantes. Il n'y a rien comme l'habitude pour enlever aux événements leur caractère dramatique. J'espère bien, monsieur le commissaire, n'avoir jamais l'habitude de ces situations-là. Non, non, ne me raccompagnez pas, je vous en prie. Mais non, non. Je connais le chemin. Mais si, docteur, remettez-vous. On va y passer, je vous prie. Au revoir, docteur. Au revoir. Madame Tellier, s'il vous plaît. Patron, je reste avec vous. Pourquoi non ? Cette enquête est aussi la peine. Entrez, madame. Asseyez-vous. Je sais, madame, combien il doit vous être pénible. Je vous en prie, commissaire. Vous n'avez pas à vous excuser, vous faites votre métier. Aussi, interrogez-moi, je vous écoute. Je voudrais, madame, que vous me disiez ce que vous savez. Je crains, commissaire, que cela soit bien court. Nous sommes arrivés hier, dans l'après-midi, pour passer le week-end dans cette maison, ce que nous faisons chaque semaine quand le temps nous le permet. Vous êtes arrivés en voiture ? Oui. Il y avait mon mari, Michel, qui conduisait, la secrétaire et moi-même. Les domestiques viennent par le train. Nous étions ici à 5 heures. Mon mari est monté directement à sa chambre. Elle lui sert de bureau. Il y est resté avec sa secrétaire jusqu'à l'heure du dîner. Nous nous sommes mis à table à 8 heures. Quel métier exerçait votre mari ? À vrai dire, de métier, il n'en avait pas. Il brassait des affaires. Les affaires des autres. Je veux dire par là que sa fortune personnelle lui avait permis de financer diverses entreprises. Donc cela l'intéressa d'une façon particulière. Ce qu'il voulait, c'était des actions. Il ne finançait une entreprise que s'il pouvait en avoir la part majoritaire. Ah, c'est une excellente formule. Oui, pour gagner de l'argent.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il agissait ainsi. C'était pour être le maître. La grande préoccupation de mon mari, monsieur le commissaire, se bornait à cela. Être le maître. Il ne lui suffisait pas de l'être chez lui. Mon second a visité ce matin en arrivant à votre maison et... Oh, c'était obligatoire. Je n'ai rien dit, commissaire. Et une chose m'étonne. En effet, il régna un certain désordre dans la chambre de M. Tellier. De nombreux dossiers étaient sur son bureau, d'autres entassés pêle-mêle sur des rayonnages, mais certains aussi gisaient à terre. Éventrés pour la plupart, et de nombreuses feuilles étaient éparpillées à même le sol. Or, vous me dites que M. Tellier était un brasseur d'affaires, un financier. Et pourtant, ces dossiers sont bien différents de ceux... On peut s'attendre à trouver chez un tel homme. Ils contiennent par contre de nombreux articles sur le théâtre, sur l'art chinois. Oh, j'en ai même vu un traitant de la mythologie grecque. D'autres dossiers m'ont paru renfermer des romans, tant leur feuillet était dense. Vous avez raison, commissaire. Ce sont bien des romans. De votre mari? Oui. Et il ne s'agit pas là d'œuvres de jeunesse. Mon mari avait la passion d'écrire. Sa seule passion. Il consacrait de longues heures chaque jour. Quelquefois même, il travaillait la nuit. C'est ainsi que, durant 30 ans, je l'ai vu entasser les dossiers que vous avez trouvés dans sa chambre. N'était-il pas évité? Monsieur le commissaire, mon mari produisait beaucoup, mais... Rien n'était très valable. Sans doute un éditeur lui aurait-il rayonné. Mais... Avec sa fortune, il pouvait prendre le risque de se faire éditer à ses frais. Commissaire, si vous aviez connu mon mari, vous sauriez qu'il n'était pas homme à prendre un risque sans être sûr d'être le vainqueur. S'il n'avait aucun talent, il était cependant très intelligent. Il savait que tout cela ne valait rien. Il n'allait pas risquer de se l'entendre dire. Mais du moins, ce violon dingue aura-t-il eu du bon? Il aura donné à mon fils sa véritable vocation. Ce qui était chez mon mari une seconde activité, un délassement, pourrait-on dire, est devenu chez mon fils un besoin. Il a hérité cette passion de son père. La différence pourtant que lui a du talent. Votre fils écrit aussi. Oui. Mais je vous le répète, Michel est un écrivain véritable. Pouvez-vous me raconter la soirée d'hier? C'est très simple. Nous sommes montés dans nos chambres vers 10 heures. Oui, vous faisiez chambre à part avec votre mari. Oui. Depuis la naissance de Michel. 25 ans. Ma chambre est au premier également à côté de celle de mon mari. Et celle de votre fils? Au rez-de-chaussée, près de la bibliothèque. Les domestiques ainsi que la secrétaire sont dans les dépendances. Alors que le calme régnait dans la maison depuis un quart d'heure, une vingtaine de minutes peut-être, il y a eu un grand remue-ménage. N'avez-vous pas entendu un coup de feu? Non. À vrai dire, peut-être y a-t-il eu quelque chose comme un claquement. Je me souviens mal. De toute façon, rien qui puisse faire penser à un coup de revolver. C'est du moins tel qu'on s'imagine. Ça vient sans doute de ce qu'il y avait un silencieux. C'est le docteur qui me l'a dit. D'ailleurs, je dois à la vérité de dire que je n'étais pas dans ma chambre. Marie vous l'apprendra sans doute puisqu'elle m'a dit être venue me chercher. J'étais descendue à la bibliothèque choisir un livre. C'est en remontant chez moi que le remue-ménage m'a fait entrer dans la chambre de mon mari. Y avait-il quelqu'un déjà? Oui, Marie. Elle était penchée au-dessus du cadavre. Je crois qu'elle pleurait. J'ai remarqué comme vous les dossiers à terre. Peut-être les a-t-il entraînés dans sa chute. Il était étendu sur le dos, il tenait le revolver à la main. Dans la main droite? Oui, droite.
Sur le moment, je n'ai pas pensé que c'était une chose impossible. C'est le docteur qui me l'a fait remarquer. Saviez-vous que votre mari possédait un revolver? Plutôt l'ignorait, commissaire. Il le laissait sur son bureau. Il s'en servait même comme presse-papier. Il trouvait ça amusant. Pour faire poète, sans doute. Je sais que vous avez cru au suicide. En imaginiez-vous la raison? Monsieur le commissaire, on se suicide pour des raisons personnelles. Que l'on a retourné maintes et maintes fois dans sa tête sans en rien dire à personne. Dès que l'on se confie à quelqu'un, on ne met généralement plus son projet à exécution. Le fait de se confier enlève l'angoisse. Mais à qui se serait-il confié? Nous étions l'un pour l'autre des étrangers depuis longtemps déjà. Quant à Michel, il en était jaloux. Le jaloux de son fils? Michel allait être édité. Il allait ainsi connaître à coup sûr une gloire que son père n'avait pas connue. Ça suffisait. On pardonne difficilement la réussite des autres. Monsieur le commissaire, puisqu'il apparaît qu'il n'y a pas eu suicide, je ne saurais rien vous dire d'autre. Je vous remercie, madame. Vous pouvez aller vous reposer si vous le souhaitez. Merci, commissaire. Je ne suis pas fatiguée. Je vais dans le jardin, si vous me permettez. Naturellement. Au revoir, madame. Alors, Maxime, quelle impression? Aucune, patron. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a l'air d'une veuve satisfaite. En tout cas, on ne dirait jamais qu'elle a un fils de cet âge-là. Ah oui, c'est encore une belle femme. Ah si. Dommage qu'elle boite. Avant que ce soit ses chaussures qui la gênent. Pour être belle, il faut souffrir, alors, vous savez. Bon, à qui écoutez-vous maintenant, patron? Appelle Michel, le fils. Comme ça, nous en aurons fini avec la famille. Monsieur Tellier, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est une fille, commissaire. Merci. Comme vous voudrez. Vous comprendrez, monsieur, que malgré le désir que j'ai de vous laisser tranquille dans une telle situation, je suis obligé, pour mener mon enquête, de poursuivre des interrogatoires pénibles, mais nécessaires. Mais je le comprends très bien, commissaire. Je suis à votre disposition. Merci. D'ailleurs, cet interrogatoire est additionnel et il pourrait ne comporter qu'une question unique. Que savez-vous? Rien. Une réponse comme celle-là entraîne toujours des complications, monsieur. Car on sait toujours quelque chose. Ce qui paraît sans importance peut prendre tout à coup une valeur insoupçonnée. Et le petit détail est quelquefois la clé d'une énigme qui semblait insoluble. Vous pensez ne rien savoir, sans doute est-ce vrai. Alors, dans ce cas, voulez-vous me raconter votre soirée d'hier? Nous sommes arrivés dans l'après-midi. Oui, ça je le sais. Votre soirée, monsieur. Après le dîner? Oui, après le dîner. Mon père est monté dans sa chambre. Ma mère, Mademoiselle Paulin et moi-même sommes restés un moment dans la bibliothèque. Et là où nous sommes actuellement. Nous avons joué au rami. Vers 10h, nous nous sommes dit bonsoir. Et chacun a rejoint sa chambre. Ma mère au premier, Mademoiselle Paulin dans le pavillon des dépendances. Et moi dans la chambre à côté de cette pièce. Avez-vous entendu du bruit? À vrai dire, commissaire, au moment où le drame a dû se passer, je n'étais pas dans ma chambre. J'aime fumer une cigarette avant de me coucher. Je suis allé la fumer dans le jardin. C'est là que Germain m'a prévenu. Ensuite? Mais ensuite, je suis monté, naturellement. Et j'ai trouvé mon père étendu, du sang sur sa poitrine, et tenant un revolver dans une main. La main droite? Oui. Ça ne vous a pas paru étrange, alors qu'il était paralysé de ses poings? Je dois dire, commissaire, que dans l'affolement, je n'ai pas pensé à cela. Personne, d'ailleurs. Même le docteur, qui pourtant soigne mon père lorsque nous sommes ici, n'y a pas pensé immédiatement. Vous saviez que votre père possédait un revolver? Naturellement, il ne s'en cachait pas. Il le laissait même sur son bureau. C'est une manie comme une autre. Qu'avez-vous pensé sur le moment? Mais qu'il s'était suicidé. Pourrais-je croire autre chose? Avez-vous une raison de penser que votre père était homme à se suicider?
Aucune raison particulière, non. Moi, je n'imagine pas non plus la raison pour laquelle on l'aurait assassiné. Lorsque le docteur a dit qu'il ne s'était pas suicidé, nous avons essayé de découvrir si rien n'avait été volé. Apparemment, rien. Connaissiez-vous des ennemis à votre père? Non. Je ne lui connaissais pas d'amis non plus, d'ailleurs. Il était assez difficile à vivre. Vous entendiez bien? Non. Mais il n'en déduisait pas pour autant que c'est moi qui l'ai tué. Mais je dis cela. Non, mais peut-être le pensez-vous. Vous ne m'entendez pas avec mon père, c'est vrai. Nous étions heurtés sur des questions d'ordre privé. C'est-à-dire? J'ai dit des questions privées, commissaire. Je vous entends bien, monsieur. Quelle question? D'aussi loin que je me souvienne de lui, je ne me rappelle pas un geste de tendresse. Je pense qu'il tenait rigueur à ma mère de l'affection qu'elle me portait. Sans doute s'estimait-il lésé d'autant. Et cela a empiré, d'année en année. Je finis, je crois, par lui être totalement indifférent. C'est à peine s'il me voyait. Il est difficile, malgré tout, d'admettre que votre père ne vous aime pas. Il y a un an, je lui ai demandé de m'aider. Comment cela? Mes manuscrits avaient été refusés par divers éditeurs. Mais c'est normal, je vous assure. Et ils n'acceptent jamais d'emblée un jeune auteur. En outre, ils n'y comprennent rien. Aussi, je désirais me faire éditer à mes frais pour mon premier livre. C'est une chose courante. N'ayant pas d'argent, je lui en demandais. Il accepta? Il a refusé. Et non content de cela, il m'a coupé les livres pour m'obliger à prendre un métier. Mais ma mère était là qui veillait. Grâce à elle, j'ai pu continuer. Et enfin, je tenais ma revanche. Oui, un éditeur a pris un de mes textes. Mon premier livre sort au début de l'hiver. Votre père l'a su? Oui, comme hier, je le lui ai dit. C'était bien la moindre des choses. Je lui ai dit hier, avant de partir pour le week-end. Qu'a-t-il dit? Rien. Il a eu l'air étonné. Sans doute pour me vexer davantage. Bon, voilà, je n'ai rien à vous dire de plus. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'imaginais la raison pour laquelle il aurait pu se suicider. Il n'aimait personne. Peut-être est-ce là une raison suffisante. Oui. Bon, permettez-moi de me retirer maintenant, je voudrais aller retrouver ma mère. Ma place est à ses côtés. Certainement, monsieur, vous pouvez disposer. Maxime, raccompagne monsieur Taillé. Bien, beaucoup. Au revoir, monsieur. Eh bien, patron. Le brave monsieur Taillier père semblait avoir une drôle de nature. Rien d'étonnant à ce qu'il ne soit pas regretté. S'il agissait comme ça avec tous les gens avec qui il y a des affaires, c'est normal qu'il se soit trouvé quelqu'un pour lui faire la peau. Ah, ce n'est presque un service à rendre. Oh non, mais quel lourd. Bravo, bravo, Maxime, encourage le crime. Il fallait tuer tous les chevaliers d'industrie et tous les poètes inconnus. Il y aurait de la place. Allez, 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 appelle-moi la secrétaire. Mademoiselle, s'il vous plaît. Le commissaire voudrait vous parler. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur le commissaire. Je ne pense pas vous être utile à grand chose. Sait-on jamais, mademoiselle. Et que savez-vous du drame? Ce que vous en savez sans doute vous-même, commissaire. Après le dîner, nous avons fait une partie de ramis avec madame Taillier et Michel. Enfin, je veux dire avec monsieur Taillier. Après quoi, nous sommes allés nous coucher. Il devait être 10 heures. En quoi consistait votre travail? Je faisais le secrétariat de monsieur Taillier. Il brassait de nombreuses affaires. Cela nécessitait du courrier, des comptes. Monsieur Taillier écrivait également, sans doute. Deviez-vous l'aider dans cette besogne? Oui. Il était paralysé de la main droite. Aussi, je prenais en sténo ce qu'il me dictait et je le tapais à la machine ensuite. Que pensez-vous de ses œuvres, mademoiselle? Que voulez-vous que j'en pense, commissaire? J'étais payé pour les mettre au propre, non pour les juger. Cependant, je crois que si elles avaient eu quelque valeur, elles auraient été éditées. Monsieur Michel Taillier écrivait également. Oui. Son travail était-il supérieur à celui de son père? Aucun doute. Le fils a un talent que ne possédait pas le père. Pourtant, il n'est pas édité non plus. Mais il le sera au début de l'hiver.
Puis sa carrière commence à peine. Si M. Tellier avait voulu l'aider, il aurait déjà fait un chemin considérable. Mais de cela, il était incapable. Il s'intéressait trop à lui pour penser aux autres. Même à son propre fils. Qui vous a averti du drame? Germain. Il vous a trouvé dans votre chambre? Non. La soirée était belle. J'étais allée me promener dans le parc avant de me coucher. Seule? C'est-à-dire que j'ai rencontré Michel. Monsieur Taillet. Bien. Bien. Je vous remercie, mademoiselle. Hein? Bien. Encore une question, cependant. Avant le dîner, vous avez travaillé avec Monsieur Taillet. Qu'avez-vous fait? Il m'a dicté pendant une heure environ. Puis il a reçu un coup de téléphone. De qui? Ça, je l'ignore, monsieur. Ensuite? Ensuite, il m'a demandé de ranger des dossiers. Il les a vérifiés avec moi. Après, nous sommes descendus dîner. Est-ce tout? Oui. Cependant, je vous écoute. Dans les romans policiers que je lis quelquefois, les témoins qui dissimulent quelque chose ont toujours des ennuis. Ça, je ne sais pas par quel miracle le commissaire découvre toujours ce qui lui a été caché. Alors je voudrais éviter tout ennui. Aussi peut-être dois-je vous dire que j'avais donné mon congé à M. Tellier. Il était entendu d'un commun accord que je terminais le mois. Pour quelle raison souhaitiez-vous partir? Aucune raison particulière, commissaire. Simplement la lassitude. Vous savez, faire des comptes à longueur de journée, de la copine et guère réjouissant, cela ne me laissait aucune initiative. Je souhaitais travailler dans l'industrie. Très bien. Très bien. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Ah, si cela peut vous rendre service, Michel... enfin, monsieur Taillet est dans le jardin. Ah, patron, tout de même une chose sympathique dans cette maison. La petite secrétaire amoureuse de l'héritier. Ah, c'est un feuilleton. Comment dites-tu? La secrétaire est amoureuse de l'héritier. Enfin, faut crever les yeux, patron. Tu as quelquefois des idées, mais tu ne vas jamais au bout. Quoi? Dommage. L'héritier, Maxime. Sais-tu seulement qui est l'héritier? À ta place, Maxime, je serai déjà chez le notaire. Bon, là, j'y crois, patron. Avant, fais-moi entrer, Germain. Bien, patron. Monsieur, s'il vous plaît. Mais oui, oui, vous. Oui. C'est vous, Germain? Oui, monsieur. Eh bien, Germain, essayez de répondre clairement à mes questions. Je sais rien. Nous verrons ça plus tard. N'ayez pas peur. Asseyez-vous. Je suis mieux de bon, si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites dans la maison? Je travaille. Oui, mais à quoi? À Paris, je fais les gros travaux, je m'occupe de la voiture, je conduis monsieur aussi de temps en temps. Et ici, je m'occupe du jardin, du parc. Oh, il y a à faire, hein? J'aide aussi Marie, ma femme, quelquefois à la cuisine, surtout quand il y a du monde. Oui, hier soir, où étiez-vous? Dans la cuisine. Je prenais mon vin chaud, comme tous les soirs. J'attendais Marie pour aller au lit. Vous avez entendu quelque chose? Oui. En y réfléchissant maintenant, j'ai entendu un bruit sec. Comme une porte qui claque ou un volet. Mais vous n'avez pas pensé qu'on avait tiré un coup de revolver? Oh, je pouvais pas penser à ça. D'abord, j'en ai jamais entendu. C'est Marie qui est venue me prévenir. Elle m'a dit d'aller chercher Mademoiselle Paulin et Monsieur Michel. Je suis parti tout de suite. Où les avez-vous trouvés? Près du bassin où qu'on met les carpes. C'est loin de la maison? C'est au fond de la propriété. Et monsieur le commissaire peut voir, pour une propriété, c'est une propriété, hein. C'est même la plus grande de la région. C'est un ancien château. Oui, je sais, oui. Pour aller au bassin, il faut traverser le jardin. En contournant les massifs, bien sûr, à cause des fleurs. Puis après, il y a le parc. Mais combien de temps pour y aller? Oh, un quart d'heure, hein, ou 10 minutes en courant. Monsieur Michel était seul quand vous l'avez trouvé? Ah non. Non, il était avec Mademoiselle Paulin. Comment les avez-vous trouvés? Oh, monsieur le commissaire, c'est difficile à dire. Ils étaient dans l'herbe. Oui, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Je comprends pas. Mais était-il essoufflé? Avait-il l'air d'avoir couru? Oh non, non, ils avaient l'air bien calmes. Enfin,
si j'ose dire. Monsieur le commissaire voit bien. Oui, vous avez mis du temps à remonter au château. 10 minutes, peut-être. On a couru. On pouvait plus respirer. Le docteur était déjà là, lui. Vous aimiez, monsieur Tellier? Je l'aimais, hein. Comme ça, quoi. Il était dur dans le service. Mais il payait bien. Alors, bon. Là, bon. Vous pouvez partir. Dites à Marie de venir. Hein. Oh, faut pas la bousculer, monsieur le commissaire. Mmh. Elle est plus toute jeune, et puis, ça y en a fichu un coup. Hein. N'ayez pas peur, Germain. Dites-lui de venir. Oui, monsieur le commissaire. Viens, Marie. Rien, c'est à toi. Rien, tiens, quoi, et pas peur. On n'a rien fait, après tout, quoi. Hein? Asseyez-vous, Marie. Voilà. Vous allez me répondre calmement. J'ai rien fait. Bien sûr que vous n'avez rien fait. Mais vous pouvez m'aider. J'ai rien. Il vous suffit de vous rappeler ce que vous avez vu hier soir. Hein? Et de me le raconter. Vous voyez, c'est simple. J'ai rien vu d'extraordinaire. Non, mais ce n'est pas toujours ce qui est extraordinaire qui compte. Bien souvent, au contraire, une chose insignifiante, un détail. Rappelez-vous, Marie. Hmm? Vous avez dîné? Ben oui, en même temps que les maîtres, à la cuisine. Et après? Après, monsieur est monté dans sa chambre. Il a demandé à monsieur Michel de venir avec lui. Bon. En sortant de table, alors j'ai commencé à débarrasser. Que faisaient les autres? Qui, madame et mademoiselle Paula? Oui, que faisaient-elles? Elles ont préparé la table de jeu pour faire un ravi. Elles avaient l'air inquiètes? Non, c'est-à-dire que mademoiselle Paula avait l'air agitée, surtout quand on a entendu des cris. Des cris? Oui. Monsieur et monsieur Michel devaient se disputer, ça leur arrivait souvent. Alors, madame m'a dit d'aller à la cuisine, que je finirais le service le lendemain. Vous y êtes allé? Ben oui. C'est à ce moment-là que M. Michel est redescendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je saurais pas vous dire, monsieur le commissaire. Je suis parti. On a bavardé avec Germain à la cuisine. Il m'a lu le journal. Et après? Quand il est renseigné, j'ai préparé un plateau avec de la camomille. Monsieur en prend tous les soirs. Je suis monté dans sa chambre. Et c'est là qu'il m'est arrivé l'accident. Non? Quel accident? J'ai buté l'un des dossiers qui était par terre. J'ai fait tomber la tasse, elle s'est cassée. Monsieur l'a crié? Non. Il a été assis sur le bureau, la tête dans ses mains. J'ai même cru qu'il ne m'avait pas vu ni entendu. Alors, je suis ressorti doucement et je suis redescendu de la cuisine pour prendre une autre tasse. Mais monsieur aime sa tisane bien chaude. J'ai eu peur qu'elle soit froide. Alors, j'ai refait chauffer de l'eau. Germain était toujours là? Mais bien sûr. Il m'attendait pour qu'on aille se coucher. Vous êtes remonté vite. Le temps que mon eau chauffe, de reprendre une autre tasse et de monter l'escalier une nouvelle fois. 5-6 minutes, je sais pas. Alors? J'ai frappé de nouveau. Une fois, deux fois. Mais comme monsieur répondait pas, je frappais quand même. C'est ce que je faisais d'habitude. Et... Continuez, Marie, continuez! Il était par terre sur le dos. Il avait plein de sang sur sa chemise. Il avait son revolver dans la main. Vous connaissiez ce revolver? Ben oui, il était toujours sur son bureau, même que j'en avais assez peur quand je faisais le ménage. J'ai posé mon plateau sur le bureau, puis je me suis agenouillée près de lui pour essayer de le relever. Je l'appelais... Monsieur... Monsieur... Il bougeait pas. J'ai eu peur. Alors je suis sortie en courant pour prévenir madame. Elle n'était pas dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est? Montrez. Ah bien, Maxime, c'était pas le moment. Vous allez voir, patron, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir. Qui? Ah, monsieur, il vient de Paris. Il vient de Paris spécialement pour me voir? Ça, je sais pas, patron, mais il demande d'être reçu par vous. Bon, mais une seconde, hein. Oui. Quand j'en aurai terminé avec Marie. Patron. Faites-le patient. Non, excusez-moi, patron, je vous demande pardon d'insister. Hein? Il dit que c'est urgent. Et puis très important aussi. Il dit que sans lui, vous allez perdre du temps et vous n'arriverez à rien. Hein? Puis d'autre part, il faudra reprendre le train dans une heure. Alors, bon, bon...
Marie. Oui. Attendez-moi dans la pièce à côté. Oui, monsieur le commissaire. Je reçois ce monsieur, je vous rappelle. Bon, alors, j'ai fait entrer. Mais tu ne m'as pas demandé son nom. Ah, patron, il veut parler qu'à vous. Pour éviter la publicité, il paraît. Ah, j'ai vu le notaire au pays. J'avais raison. C'est bien Michel, l'héritier. Mais à une condition. Laquelle? Monsieur Théier a demandé il y a quelques jours à son notaire d'ajouter un codicille. Au cas où Michel épousera Mademoiselle Paulin, il sera déshérité. Oui. Au bénéfice d'un certain Raoul Doranty, éditeur, qui était aussi le meilleur ami de la victime. Et quant à Monsieur Théier, il semble qu'il aimait bien sa secrétaire, à tel point, m'a dit son notaire, qu'il l'avait congédié. Et dès s'en aller à la fin du mois, comme elle nous l'a dit d'ailleurs. Oui, mais. Elle nous a dit aussi que c'est elle qui avait rendu. Ça m'a fini à écrire. Ce n'est qu'une nuance, mais peut-être a-t-elle son importance. Bon, je reçois ton client tout de suite. Nous verrons ça plus tard. Appelle-le. Bien, patron. Venez, monsieur le commissaire, bonsoir. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Je suis désolé de vous déranger, mais il fallait absolument que je vous parle. De grâce, monsieur, faites vite. Y a-t-il un rapport entre ce que vous voulez me dire et le meurtre de monsieur Théier? Je le crains, monsieur le commissaire, je le crains. Et commençons, si vous le voulez bien, par le commencement. Je me présente. Raoul Doranty. L'éditeur? Oui, l'éditeur. Asseyez-vous, monsieur. Je vous écoute. Merci. Je veux d'abord vous dire, monsieur le commissaire, que je connaissais monsieur Théier de longue date. Nous avons été des camarades d'enfance. Puis, l'âge venant, cette camaraderie a laissé la place à une amitié très vive, très profonde. J'ai débuté dans l'édition il y a 30 ans environ. Je dirigeais alors une revue. Elle a disparu depuis, mais à l'époque, elle avait une certaine renommée. De son côté, mon ami Théier s'abandonnait déjà à sa marotte et quelques manuscrits attendaient chez lui qu'on les y découvre. Ce que je fis. Cette découverte fut un émerveillement. Un émerveillement. On m'a dit pourtant que ce qu'écrivait M. Théier ne valait rien. Monsieur le commissaire, on veut bien m'accorder, c'est sans doute ce qui a fait ma fortune, le don de découvrir les auteurs. Si c'est vrai actuellement, je pense que ça l'était aussi à mes débuts. Je ne me suis jamais trompé. Théier était un écrivain extraordinaire, puissant. Sa pensée était profonde, droite, claire. Il écrivait une langue pure, châtiée. C'était un styliste. Mais... Non, ne m'interrompez pas, j'arrive au bout. Ayant lu ses manuscrits, je lui demandai l'autorisation de les publier dans ma revue. Tout d'abord, il s'y opposa fermement. Il écrivait, me dit-il, pour lui-même et non pour les autres. Il était assez sincère pour que cela fût vrai. Mais comme j'insistais et qu'il était mon ami, il me donna un article traitant de la situation internationale et exposant des idées pour l'amélioration de cette situation détériorée. Et l'article parut? Oui. Ce fut une bombe. Tous les critiques le louèrent sur la forme, mais ils l'attaquèrent tous sans restriction sur le fond. Je pensais que ces attaques répétées donneraient à Théier le goût de la lutte et qu'à partir de ce moment, il continuerait à publier ses ouvrages. Ce fut le contraire qui se produisit. Il jura de ne plus jamais donner une ligne. Hélas, c'était un homme de parole. Mais moi, je ne parvins pas à le fléchir. Et cet article fut le premier, mais aussi le dernier. Mais je vois mal où vous voulez en venir. Eh bien voilà. J'ai, comme vous le savez, ma propre maison d'édition. Quand par bonheur un manuscrit est exceptionnel, les lecteurs me l'apportent à moi-même, et si je le juge valable, il arrive que j'accueille l'auteur dans ma propre maison. Or, c'est ce qui est arrivé hier matin. On m'a remis un manuscrit, un roman, en m'assurant qu'il était prodigieux. Ce roman était signé Michel Théier. J'avais eu déjà l'occasion de lire des manuscrits de Michel. Pour vous dire la vérité, je les trouvais lamentables, creux. Enfin, je les ai toujours refusés. Cependant, faisant confiance à mes lecteurs, je lus ce manuscrit d'une traite. Et c'est là, commissaire, que le bas nous blesse. J'avais déjà lu ce roman, il y a une trentaine d'années, mais sous une autre signature. Jean Théier, le père de Michel. Mais qu'avez-vous fait alors? J'ai hésité quelques instants sur la marche à suivre. Puis je décidai enfin d'appeler mon vieil ami. Ce que je fis hier soir. À quelle heure?
Vers 7h environ. Quelle a été sa réaction? Il m'est difficile de vous répondre. Il m'a seulement remercié très calmement. Il ne vous a pas dit s'il avait donné lui-même ce manuscrit à son fils? Non. Non. Pour lui-même, j'ai préféré ne pas lui poser trop de questions. Je lui ai simplement proposé de venir le voir aujourd'hui. Et c'est en me présentant tout à l'heure que j'ai appris l'horrible nouvelle. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir. Vous avez très bien fait. Je vous en remercie. Mon second m'a dit que vous aviez un train à prendre. Je vous demanderai cependant de rester ici. Mais c'est pas le temps, rassurez-vous. Vous prendrez le prochain. Vous savez ce que l'on dit des trains. Ils sont comme les jolies femmes. Ils passent toutes les 5 minutes. Maxime. Voilà, patron. Accompagne monsieur dans la pièce à côté. Sous train, patron. Monsieur accepte de rester avec nous jusqu'au dénouement. Quelques minutes vont suffire. Réunis tout le monde également. Comme vous voudrez, patron. S'il vous plaît, monsieur, par ici. Oui. Dommage pour votre train, mais vous savez ce que l'on dit. Ils seront comme mes amis. Oui, oui, je sais, monsieur, ils passent toutes les 5 minutes. Très vite. Malheureusement, ils ne vont pas tous dans la même direction. Mais au revoir, monsieur. Marie. Vous pouvez revenir. J'ai terminé. Voilà, monsieur le commissaire. Voilà. Maintenant, Marie, vous allez répondre exactement à mes questions. Réfléchissez avant de répondre. Prenez votre temps, mais ne vous trompez pas. Je vais faire de mon mieux. Bien. En quittant la chambre de M. Tellier, vous vous êtes précipité dans celle de Mme Tellier? Oui, monsieur le commissaire, mais elle n'y était pas. Alors, qu'avez-vous fait? Je suis descendue pour avertir M. Michel, mais je ne l'ai pas trouvé non plus. Et pour aller dans la chambre de M. Michel, vous êtes obligé de passer dans la bibliothèque. Oui. Bien, après. Alors, je suis allée dans la cuisine dire à Germain d'aller voir dans le parc s'il pouvait trouver quelqu'un. Ensuite. Je suis remontée, monsieur le commissaire. Je ne savais pas quoi faire. Je vais rester près de monsieur. C'est tout. Oh. Souvenez-vous, Marie. Qu'est-il arrivé ensuite? Quelques secondes après, madame est venue. En déshabillée, monsieur le commissaire. Pieds nus. Elle devait être prête à se coucher. Elle a pleuré. Oh non, monsieur le commissaire. Madame est d'un trop bon milieu. Elle m'a dit de téléphoner au médecin. Vous avez téléphoné dans la chambre même? Non, monsieur, non, par respect pour monsieur. Il y a un autre appareil dans la bibliothèque. Il communique. Vous êtes descendu tout de suite? Oui. Après avoir fermé la lumière dans la salle de bain qui est sur le palier, j'en ai profité pour enlever un petit pansement qui traînait dans le lavabo. Un pansement? Oui, monsieur le commissaire. Il était tout humide. De l'alcool, sans doute. Avec un peu de sang. Oui. Monsieur Michel est arrivé à quel moment? Pas loin d'un quart d'heure après, le docteur était déjà là. Bien. C'est très bien, Marie. Oh. Non, non, restez assise. Et n'ayez pas peur. Et surtout, n'ayez pas peur. Je vais dire aux autres de venir ici. Si je vous pose des questions, répondez-moi comme vous l'avez fait quand nous étions seuls, c'est d'accord? Oui. Vous n'avez pas peur? Si. Il ne faut pas, Marie, vous verrez. C'est très facile. Je vous demanderai de venir, s'il vous plaît. Vous, madame. Ah, vous aussi, monsieur. Oui, oui, mademoiselle, oui, oui. Vous aussi. Monsieur Doranty, je vous en prie. Je vous en prie. Prenez chacun un siège. Non, non, merci, monsieur, je préfère rester debout. Il me semble ainsi que j'ai l'esprit plus clair. Et je me suis toujours demandé, quand arrivait pour moi le moment de conclure une enquête, quel était le sentiment du coupable. Or, le moment est venu, et je vous regarde. Votre calme est impressionnant. Et si j'étais un débutant, peut-être m'impressionnerait-il. Mais voilà, je ne débute pas d'hier.
Et croyez bien que je suis le premier à le regretter. Je vous en prie, commissaire, pardonnez-nous ce long prologue et venez-en au fait. J'y arrive, monsieur. Même si le chemin que je prends vous paraît détourné. Le problème est le suivant. Monsieur Tellier a trouvé dans sa chambre une balle dans la poitrine. L'intervention du docteur prouve qu'il ne s'est pas suicidé. Là où il y a crime, il y a coupable. Bon, jusque-là, commissaire, vous ne risquez pas de vous tromper. Mais là où il y a coupable, il y a mobile. C'est ici qu'il faut procéder par élimination. Marie? Non, je ne vois pas l'intérêt. Que va tirer Marie de la disparition de son maître? D'autre part, il semble bien qu'elle fut la seule à l'aimer un peu. Seule Marie a versé une larme sur le corps de M. Tellier. La faiblesse ne saurait être une garantie de la vertu, commissaire. L'indifférence non plus, monsieur. Quant à Germain, il semble que loin de tirer un avantage quelconque, il va être lésé. S'il n'aimait pas particulièrement son maître, celui-ci le payait bien. Madame Tellier non plus ne gagne rien à la mort de son mari, elle n'hérite pas, en aucune manière. Reste donc Michel Tellier, Mademoiselle Poulain et Monsieur Doranty. Ah, ben c'est un comble! C'est votre amitié pour la victime, Monsieur Doranty, qui vous vaut cette mésaventure. Monsieur Tellier, en effet, avait décidé de vous léguer ses biens au cas où son fils ferait un mariage qui lui déplaisait. Mais à la réflexion, quel bénéfice ce meurtre vous apporte-t-il, puisque Michel n'est pas encore marié? Aussi, je vous raye de la liste des suspects. Vous êtes trop bon. Il ne reste plus que Michel Tellier et Mademoiselle Paul. Non, Germain! En effet, eux seuls ont un intérêt matériel à la disparition de M. Tellier. Son fils qui hérite est Mademoiselle Paulin, qui peut ainsi l'épouser sans risquer de voir la fortune glisser en d'autres mains. Vous divaguez, commissaire. La recherche de la vérité est une forme de divagation, je vous l'accorde, mademoiselle. J'en étais arrivé là de mes conclusions quand M. Doranty me fit la visite que vous savez. Il m'apprit ce qu'il avait appris hier soir à M. Tellier. Un de ses manuscrits lui avait été volé et qui plus est par son propre fils. C'est faux! C'est tellement vrai, monsieur, qu'il s'en est suivi une discussion entre votre père et vous-même. Oh. Discussion si violente que les éclats de voix parvenaient jusqu'ici où vous attendez votre mère et Mademoiselle Paul. Madame Tellier a d'ailleurs pris soin de renvoyer Marie dans sa cuisine. Si j'avais créé quoi que ce soit qui puisse gêner mon fils, j'aurais également éloigné Mademoiselle Paulin. Non, non, car il vous importait peu qu'elle sache. Ses propres déclarations et celles de Germain m'ont laissé comprendre que leur relation était, disons, si vous voulez, suffisamment intime. Ne me dites pas, madame, que vous l'ignoriez. Une mère est toujours avertie de ces choses-là. Elle laisse souvent avant que les intéressés eux-mêmes en soient conscients. Comme il vous paraît facile, commissaire, de deviner le sentiment des gens. Oh, madame, ce n'est ni facile, ni agréable. Comme ça ne m'est ni facile, ni agréable de vous arrêter pour le meurtre de votre mari. Vous êtes fou, commissaire. Quel mobile m'aurait poussé? L'amour, madame. L'amour maternel qui avait pris le pas sur l'amour tout court. Et que votre mari avait fini par haïr. Mais quelle preuve, commissaire? Quelle preuve? Vous avez dit vous-même que ma mère ne gagnait rien à la mort de mon père. C'est exact. Elle ne gagne rien. C'est même à cause de cela, madame, que ma tâche est aujourd'hui pénible. Ce n'est pas l'intérêt qui vous a dicté votre geste, mais l'instinct. Averti du danger qui menaçait votre fils et qui risquait ainsi de briser sa chère carrière, vous décidez de le défendre. Vous tuez votre mari. Dans votre précipitation, vous placez le revolver dans sa main droite alors que cette main était atteinte de paralysie. Vous n'aviez pas prémédité votre geste, d'où cette erreur. Mais cette erreur ne vous aurait peut-être pas perdu, vous, si Marie n'avait cassé une tasse. N'est-ce pas, Marie? Vous vous blessez au pied avec un des morceaux. Ah, patron, voilà pourquoi madame boit-elle. Oui, oui, ah, c'est tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure, patron. Vite, vous allez dans la salle de bain. Vous essuyez votre plaie avec un pansement. Et quand Marie est de nouveau dans la chambre, vous la rejoignez sans éteindre la lumière et en laissant dans le lavabo ce pansement imbibé d'alcool. C'est ce pansement qui vous a trahi.
et aussi votre mensonge. Si vous aviez été dans la bibliothèque comme vous m'avez dit y être, Marie vous y aurait trouvé en allant chercher votre fils, puisqu'il faut la traverser pour aller dans sa chambre. Vous m'avez dit, monsieur Tellier, que votre place était à côté de votre mère. Elle le serait, en effet. Allez. Maxime, tu feras le nécessaire. Mon patron. Je rentre à Paris. J'en ai assez de ces dits châteaux. Maître du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La vie de château, un film radiophonique de Jacques Fayet, avec par ordre d'entrée en onde Maurice Chevitte, Michel Bouquet dans le rôle du commissaire, Jean Toulouse, Laurence Weber, Philippe Mareuil, Jacqueline Rivière, Mon Corbier, Geneviève Morel et Clément Béram. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Francis Granal et Arlette Lehambre. Bruitage Jean Berriac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.